Bon matin tout le monde. Je suis fatiguée, my god, qu'est-ce que c'est ça? J'espère que vous allez bien. Moi ça va. J'ai décidé de faire un petit workout ce matin parce que ça fait genre un siècle que j'ai pas bougé. Non mais sans joke, ça m'inquiète, je suis comme voyons, je tombe pas en forme, genre c'est grave là. Question de santé, genre de pomper le cœur. Pour vrai, ces temps-ci là, j'étais genre essoufflée au moindre effort, fait que j'étais comme oh my god, là là, quarantine là. C'est pire que jamais, je suis le moins active que j'ai été de ma vie. Je sais pas pour vous là, je sais qu'il y en a qui sont tristes que les gyms soient fermés, je comprends. Moi je suis pas une fille de gym là, mais j'aime ça faire des petits dance workout là, comme celui que j'ai mis. J'ai vraiment tapé genre beginner, parce que je sentais qu'il fallait que je reparte un peu de la base. J'ai fait 7 minutes sur 15, ok, puis je suis comme ok, j'en ai assez. Hey, c'est parce que j'aime tellement pas ça, genre faire du sport. C'est quoi le truc? Non mais sans joke, j'ai posé la question l'autre jour à Pat, je me suis dit, est-ce que tu penses que il y a des gens chez qui c'est vraiment plus inné, mettons, de faire de l'exercice, tu sais, comme que ce soit culturel, mettons, parce qu'ils ont grandi dans une famille de sportifs ou qui ont des aptitudes à ça, je sais pas. Je pense que oui. Parce qu'il y en a que c'est vraiment leur lifestyle, genre de quand ils sont jeunes jusqu'à leur mort, là, puis je les admire tellement parce qu'on dirait qu'à chaque fois que j'essaye de me prendre en main, côté exercice physique, c'est comme ça dure 2 semaines, puis ça arrête. Mais je sais que la majorité des gens c'est comme ça, mais oh, j'aimerais comprendre. Quand j'ai fait mon planning, je me suis dit ok, à matin on va commencer avec un petit workout parce que là, ça va plus. Ça se peut pas que je sois essoufflée en ouvrant un pot de pickle quand même là. Non je niaise, mais bref, vous me direz dans les commentaires, vous, c'est quoi votre relation au sport ou à l'effort physique, parce que, tu sais, oui ça fait du bien après, mais on dirait que tu souffres pendant, fait que c'est jamais tentant. Moi je suis pas, je suis une artiste, je suis pas une sportive. J'ai vraiment de la misère à garder ça dans ma vie, surtout l'hiver, que j'aime pas les sports d'hiver puis que j'ai froid dehors puis tout, bref. Mais ouais, sinon la chaîne que j'ai pris, je l'avais découvert ben la dernière fois que j'ai fait du sport là, ça veut dire peut-être il y a 2 mois. Puis je l'aimais bien parce que ça c'est comme des dance workouts, puis moi j'aime ça danser dans la vie, fait que ça fait comme, tu sais, c'est ça, je pense qu'il faut vraiment que tu trouves des choses que t'aimes, mais des fois t'aimes rien dans le sport, fait que c'est pas évident. Moi j'aime ça courir puis danser. Autrefois j'aimais la gymnastique, le soccer, mais tu sais je peux pas faire ça en ce moment, fait que ah, faut essayer de trouver des petits trucs qui nous tentent là. Pat il a recommencé à gymmer entre guillemets avant hier. Il est allé se racheter un kit de poids parce qu'il en avait vendu dans la pandémie, puis il a regretté parce qu'il avait besoin finalement de certaines bases, certaines poids, je connais rien là-dedans là, mais il s'est racheté un kit, bref, fait que là, tu sais, c'est motivant aussi, je pense qu'on le fait à deux, même si on fait pas la même chose du tout là. On peut clairement en tout cas s'encourager mutuellement là-dedans, là, une petite remise en forme parce qu'on en a besoin. Bref, là je vais aller dans la douche, puis après ça, je crois que au j'avais un petit IGTV que je voulais filmer avec une collection de Noël de Laura Mercier que j'ai reçue. Un peu dernière minute, mais tu sais, c'est maintenant ou jamais, je me dis, fait que je suis comme, ok, on va faire un petit truc avec. En plus, ça a l'air super beau, les produits, là, fait que je vais vous montrer un peu le behind the scenes, même s'il n'y a pas grand behind the scenes, là, c'est juste moi qui se filme avec mon set. Ben, j'ai pas une journée très spéciale à vous montrer, fait que prenez-le comme un vlogmas quasiment, même si j'en fais pas, parce que j'ai pas grand-chose d'intéressant à vlogger ces temps-ci, puis c'est pour ça que ça m'a pris du temps un peu revlogger depuis mon dernière vidéo qui était le gros ménage de la cuisine qu'on a terminé. Je vais vous montrer le résultat de la teinture du banc. Si jamais vous me suivez pas sur Instagram, je l'avais montré là-bas, ben je vais vous montrer. Sinon, faut que j'aille poster un colis d'une gagnante aujourd'hui et des cartes de Noël que j'aimerais faire à mes amis. Et à soir, j'ai du montage à faire. Fait que c'est un peu ça, tu sais, ma journée. C'est une journée où il y a un peu de tout, tu sais, mais j'ai rien de, ouais, de spécial ou de préparé à vlogger, fait que je m'excuse, mais j'aimais mieux quand même en partir un, puis je sais pas si je vais pouvoir le sortir avant Noël. J'aurais aimé vous souhaiter des joyeuses fêtes, genre, pas en personne, mais comme, en tout cas, une dernière vidéo avant les fêtes. Mais ma chaîne principale m'occupe beaucoup dernièrement, j'arrête pas de rechanger mon planning des fêtes, puis en tout cas, faut que je finisse une vidéo aujourd'hui et je vais en filmer une puis en monter une demain. C'est un peu intense là, mais bon, m'essayer. Fait que voilà, vous serez avertis, rien de spécial, mais je sais que ça vous dérange pas des fois des vlogs plus relax, fait que si ça vous tente, ben stay tuned. Ouf, fait du bien aller dans la douche après avoir gymé. Bon, déo, hey, celle-là by the way, tellement bon. Avant j'utilisais vraiment lui, je l'aime encore, celui à l'eucalyptus de Malin plus Goetz, je sais jamais comment le dire. Puis j'ai averti celui-là de la marque Chanvre, c'est une marque québécoise. Il sent un peu, mais c'est léger. Il y a pas, ouais, il y a une petite odeur naturelle, je sais pas trop comment dire, mais il est tellement bon. Pour vrai, j'ai aucune odeur, quasiment aucune transpiration quand je le mets, c'est genre de la magie noire. Fait que je vous passe la recommandation si jamais vous aviez besoin d'un nouveau déo. You like my hair? Pourquoi mon... Oh, j'ai-tu en avoir? Mon truc qui poche bizarre. Je sais pas. Bon, je pense que je suis due pour changer de boucle d'oreille aussi, ça fait un bout que j'y porte. Mes petites Mitchery, vous aviez vu peut-être dans mon vlog là, les crescent, pavés, diamond, je sais pas quoi là, sont tellement belles. Mais j'ai le goût de ressortir mes petits anneaux. Les petits anneaux et moi, c'est une histoire d'amour. Voyons, hey, j'ai vraiment de la misère avec
les papillons, mais en même temps, vu qu'ils valent cher, tu veux pas les perdre, tu veux dire? Donc, je vais mettre mes petits 20 compass comme ça, avec des étoiles, ça fait trop longtemps. Je suis comme toute en gris, toute gris et argent aujourd'hui. Hey, who am I? J'ai fait du sport, puis je me suis fait un café glacé. Je pense que j'ai jamais fait ça ici. Comme vous savez, là, je bois pas de café, mais j'ai comme acheté du Red Bull pour ma vidéo sur ma chaîne principale sur les traditions des fêtes. Puis il faut que je le passe, tu sais, je veux pas le gaspiller. Fait que j'ai cherché quoi, ben comment le passer. Puis hier, je l'ai genre fait mousser, puis je l'ai coupé avec mon lait de soya, avec la glace, c'était full bon. Puis là, ben je sais pas, un matin, j'ai fait un café avec cette méthode-là. C'est pas mauvais, mais tu sais, moi j'aime ça bien sucré, là. Bon, là, je vais m'hydrater, faire ma base, puis après ça... Hi GDB! J'ai reçu ça à tester, une petite brume hydratante, apaisante, tolériane, ultra 8 de La Roche-Posay. C'est vraiment agréable. Mais je sais pas si j'aime ça plus que genre l'eau thermale d'Aven, mettons. Mais, pour moi qui ai la peau full déshydratée ces temps-ci, je trouve que ça aide. Parce que là, mettons, je viens de laver mon visage dans la douche. Fait qu'après ça, j'applique une eau. Ça peut être une eau florale, une eau thermale, n'importe quoi. Mais c'est juste comme ça vient faire une première petite layer d'hydratation. Puis je trouve qu'après, le sérum, il se mélange avec puis ça hydrate encore plus que si je le mets direct sur ma peau qui est comme sèche. Comme un trick d'humidité là-dedans, je sais pas trop comment expliquer. Mais je trouve que ça marche trop bien. Puis ces temps-ci, je teste le acide hyaluronique de The Ordinary. Parce que j'aimerais ça faire une vidéo éventuellement sur eux. C'est genre un petit gel de même que je suis comme... C'est spécial. Pour vrai, là, c'est pas... pour moi qui est habituée de tester, tu sais, plus des crèmes, mettons, comme ça. Tu sais, des formules, que ça sent bon, que genre la texture est tellement agréable. Ça, on dirait que je descends d'une coche, là, je vais vous avouer. Mais c'est vraiment des produits, tu sais, excessivement abordables aussi. Mais... Je sais pas encore si je le vois, tu sais, tant l'effet repulpant, là, au niveau des ridules et tout. Fait que ça, je teste ça sérieusement, là, tous les matins. Je vais le tester toute la semaine, ce petit-là, là, pour hydrater. Après ça, je comparerai avec celui de Dinky pour comparer quel que je préfère. Mais à date, la texture, déjà, ça, c'est un peu mieux. Parce que là, tu sais, mettons, je l'ai étalé. Oh mon dieu, je peux plus le travailler, c'est ultra collant. Ça fait un petit glow, là, parce que c'est ça, ça fait comme un petit gel plastique. Mais c'est weird. Pour moi, c'est un peu spécial encore, ces produits-là. Là. Je découvre ça, là. Je suis vraiment au tout début de mon test. Mais clairement, je vais faire une vidéo là-dessus, plus un sur mes skincare favoris de drugstore, là, des affaires pas chères, sur ma chaîne principale en janvier. Ouais, c'est mieux quand je mets le petit spray avant, mettons, là, mais... Ouf. Je sais pas, est-ce que ça change vraiment de quoi au niveau de mes petites ridules? Je sens que j'ai besoin de plus, là. Ça reste un gel vraiment léger, vite absorbé par la peau. Fait que là, je vais mettre une crème par-dessus. Je pense que je vais mettre ma Lirac, là, justement, qui est comme vraiment plus onctueuse. Ça va faire du bien. Je vais me sentir un peu moins tendue, genre du visage, je sais pas comment expliquer. Mais ouais, non, ces temps-ci, c'est fou, là. Cette vidéo-là me demande tellement de préparation, là. Celle sur mes favoris, pas celle sur The Ordinary. Mais c'est le fun, je suis très très into skincare en ce moment. Un matin, je me maquille, tu sais, pour mon IGTV, mais comme... Sinon, là, ouais, je me maquille vraiment pas à tous les jours ces temps-ci. Ok, là, c'est encore tout collant, mais tu vois, ça, c'est comme cushiony, genre, c'est agréable. J'ai l'impression que ça vient vraiment sceller mon hydratation. Fait que ça, j'aime déjà mieux. Ah oui, puis je teste aussi les contours yeux. Je cherche un qui est bon pour les cernes, les poches, tu sais, dans le genre avec un bout métal. Je prends le temps de le masser puis de me faire comme un petit drainage lymphatique, là. Ça fait tellement du bien. Oh, c'est tellement beau. Oh, il y a comme des gros flocons qui tombent. Je sais que je vous l'ai montré au début du vlog, mais je vais vous le remontrer parce que c'est trop beau, ma vue. Mon petit IGTV, il est pas encore posté, je vais le mettre dans l'ordi parce que j'avais pas de place assez dans mon sel, fait que ça a bugué. Donc il va falloir que je colle mes deux clips pour les publier. Ça serait le fun qu'IGTV on puisse genre sélectionner plusieurs clips. Puis non, puis en plus c'est 15 minutes max, puis moi il fait genre 22 minutes ma vidéo, fait qu'il faut que je passe à l'ordi pour ça. C'est un peu tannant, j'espère pas perdre trop de qualité, mais ouais, c'était bien intéressant. Écoutez, vous irez voir ça si jamais ça vous tente. Fait que
sortie s'est postée. Il est midi. Je suis un petit peu en retard dans mon horaire. Je pensais que j'étais pile dessus comme un matin, mais non, ça a été un peu plus long. L'IGTV, j'ai eu des petits problèmes techniques là. Fait que. Bref, je vais manger. Après ça, je voulais faire tout ce qui est cartes de Noël, tu sais, préparées. Ils sont toutes ici. En fait, je voulais les faire, mais je me suis rendu compte que j'en avais accumulé quand même au cours des années. Là, j'en avais reçu de certaines compagnies. Comme ça, c'était Karina, Isabelle. C'est vraiment cute, je vais donner ça à mon ami qui a un bébé, je pense qu'elle va trouver ça drôle. Ouais, fait que je vais au moins faire des petits textes et les choper plus la gagnante de mon concours Instagram que j'ai fait il y a un petit bout. Puis ben, c'est pas mal ça. Vous allez checker, j'espère que j'ai quelque chose à manger, je pense qu'il me reste du chili. Ah non, je vais prendre un burger à la place, j'avais fait des burgers végé l'autre jour, ils sont encore bons là, mais tu sais, pas indéfiniment. Ben je pense que c'est encore bon, c'est une boulette avec des haricots là, ça devrait être encore... Oui, il y a pas de problème, ça dure longtemps là quand même. Ça sent encore super bon, fait que je vais manger ça et je vais au pied! So good! Bon, je vous retrouve un peu plus tard. J'ai comme envie de faire quelque chose qui est sur ma to-do list depuis des semaines et que je prends pas le temps de faire, mais que ça va prendre genre 5 minutes puis ça va être fait. Puis ben, ça va me faire plaisir. By the way, je vous avais montré mon sapin, mais regardez! Les cadeaux sont là! On en fait pareil à nos proches cette année, là, ben parce qu'au début, il avait dit, le gars, il avait dit, je pense qu'on pourrait se voir, puis finalement, non. Mais on a quand même le droit, tu sais, d'aller les porter. Fait que c'est ça qu'on va faire le 24, le 25. Sinon, oui, le ficus est revenu ici. Puis je répète, j'avais une abonnée qui était comme, ah, t'as déplacé ton ficus dans le salon, c'est à cause du sapin, là, ben, sinon, ça fait comme un peu too much, là, tu sais, là, il est genre un peu dans le chemin, mais bon. Elle me disait, t'as pas peur, tu sais, vu qu'ils sont tellement princesses, puis je suis comme, non, non. Je l'ai fait l'année passée. Turns out, j'ai perdu 2 feuilles en 2 semaines, genre 2 grosses feuilles. Fait que là, il commence à être dégarni. Je stresse un peu, mais en même temps, non. Là, il est pas en train de mourir. Il est en train de me faire, tu sais, ça pis ça, c'est 2 nouvelles feuilles. Fait que, tu sais, il est beau pareil. Là, c'est juste que j'étais comme, oh my god, c'est vrai. Les ficus détestent être déplacés. Donc, si vous l'avez bougé, vous autres aussi, à cause de votre sapin, là, remettez-le à peu près à sa place, puis il devrait être déjà plus content. Ouais, fait que c'est ça ce que je voulais faire. En fait, c'était planter mes petits croquis. J'en avais trouvé au de l'eau quand c'était genre vraiment. Plus la saison, puis j'ai été trop lente pour les planter dehors, mais on peut les forcer, qu'on appelle à l'intérieur. Donc je vais essayer ça pour la première fois. J'avais d'autres. Oh! Puis j'en ai échappé un, j'en ai 10 petits. C'est drôle, ils sont tous comme ça, puis regardez, ils sont déjà en train de faire des tiges, là. Je sais pas si ils sont désespérés d'être plantés, mais je me suis dit que j'allais le faire. Ça prend vraiment pas de temps, comme je dis. Ça, c'est la première fois que je fais ça, mais je suis full dans mon mood expérimentation plante. Tu sais, j'essaie de faire. Ben rester vivant mais vivace à l'intérieur. Ça je vais essayer, c'est pas très difficile, faut juste comme les enterrer, la pointe vers le haut, humidifier, puis après ça, ben l'affaire c'est qu'il faut les garder dans une pièce qui est froide, mais on en a pas ici vu qu'on a plus le garage. Mais comme il faut qu'il fasse à peu près 4 degrés, que j'ai eu un flash l'autre jour, je peux les mettre dans le frigo. Donc je vais essayer, ça devrait marcher, il faut qu'il y ait 10 semaines de, comment on appelle ça? Ils vont comme développer leurs racines en fait un peu avec l'humidité qu'on leur donne. On met un sac pour pas que ça sèche, pour pas que ça sèche trop, pardon. Puis c'est ça, en 10 semaines normalement après ça on les remet en dehors du frigo, on les place comme un peu au soleil doucement. Puis ça va être comme qu'ils vont se réveiller, là, comme s'ils étaient dehors en pleine terre. Ça va simuler un peu le printemps, mais il faut absolument que pour ces bulbes-là ils germent puis qu'ils fleurissent, il faut vraiment que ben, qu'ils soient exposés au froid d'abord, comme si on passait un vrai hiver dehors, vous comprenez? Fait que ouais, je vais essayer puis je vais vous tenir en courant normalement si j'ai bien calculé en mars. Je devrais avoir une belle petite potée fleurie. J'ai déjà de la terre ici, fait que on va faire ça! Bon! Au frigo! J'ai tellement honte! Ça va marcher. Fait qu'à suivre, hein? Dans 10 semaines. Bon, je viens de souper. Là, je vais faire un petit peu d'emails, les emails urgents là, que je fais pas tous les jours. Et puis après, montage pendant. Je pense honnêtement que ma vidéo a besoin d'encore 3 heures de travail. Mais il est 6 heures, fait que c'est pas si pire. Je devrais avoir un petit peu de temps libre à soir, normalement. Allô? Merci. Thank you.
Allô, petite madame! Faisais-tu dodo sur la table? Oh, pff, ok. Allô tout le monde! Comment ça va? Je voulais vous montrer mon petit miroir, je l'avais pas montré sur ma chaîne de vlog. Je l'ai trouvé chez un antiquaire pour 10$. Je suis vraiment contente. Je le trouve trop beau. Il a trouvé sa place ici avec ma petite couronne DIY. Fait que là, je suis toute contente. J'aime bien ce petit setup-là là, de ma salle à dîner. Oh, fait, il a pas replacé ça comme faux! Non, je niaise, mais ouais, j'aime bien les petites tablettes décorées pour l'hiver avec mon genre de petit setup ici. Bon, ça, c'était des vraies branches, là, sont toutes en train de curver, mais bon, ça donne ça comme ça. C'est full rustique, il y a plein de belles lumières aujourd'hui, je suis trop contente. Finalement, hier, j'ai pas revlogué, j'ai juste fini mon montage qui m'a pris vraiment plus de temps que prévu. J'ai mis ma vidéo en ligne un matin, tout va bien. Là, dans 10 minutes, je m'en vais en live avec Priscilla du compte Instagram Profites-en. On va parler de végétalisme, de comment introduire ça un peu en douceur et tout, là. Elle a une approche super positive. Là, par rapport à ça, fait que je pense que ça va être bien le fun. Puis après, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ah oui, il faut que je filme une vidéo, moi, Colin. Non, mais c'est parce que d'habitude, je filme le jeudi, mais jeudi, c'est Noël, tu sais, fait que ouais. Là, j'ai comme 3 montages à faire en théorie cette semaine, mais je sais que j'aurai pas le temps parce que justement, genre, demain, c'est-tu demain? Ouais, demain, c'est Noël, oh my god! Ça fait tellement bizarre cette semaine, j'arrête pas d'oublier que c'est cette semaine. C'est vraiment weird, je sais pas si vous avez le même feeling. Mais bon, fait quoi, ça va être une grosse journée, je vais peut-être pas toute la vlogger, c'est juste qu'hier j'avais peur que le vlog soit pas assez long. Puis c'est rare que je dise ça parce que je suis tout le temps genre « Oh non, mon vlog va être trop long, il faut que j'arrête de parler » puis finalement ce qui est très drôle c'est qu'à chaque fois au montage, mes vlogs finissent par faire une demi-heure. Je sais pas pourquoi, ils font toutes 30 minutes, avez-vous remarqué? Même si je filme pendant des heures puis je me dis « Oh mon dieu, c'est sûr que j'ai busté », au final ils font toutes une demi-heure. Je ne comprends pas. Bon, je vais juste rechecker. Lily, elle m'a fait un petit vomi ici un matin. Elle a jamais vomi sur ce tapis-là. C'est encore en train de sécher, mais tu sais, je vois comme les lignes sont plus beige, mettons, que la blanche. J'ai essayé de nettoyer ça avec mon super bicelle ici. J'espère que ça va marcher, sinon ben je redonnerai, je referai une deuxième shot. Je mettrai quelque chose pour, tu sais, ben pas bleacher, mais genre essayer d'éclaircir un peu ça. Qu'est-ce que t'avais mangé, ma cocotte? Pourquoi t'es vomi? Bref, je me fais juste une petite, j'allais dire un verre d'eau, une tasse d'eau, parce que je vais parler beaucoup, puis je sens que je vais avoir mal à la gorge, ou avoir soif, puis ben je vous revois après. Colin, je voulais vlogger un peu pendant le live avec Priscilla, puis j'ai complètement oublié. Ma caméra est restée en bas. Oh là là, ok, bon ben je vais terminer, je pense, sur le petit banc. Comme je vous disais que j'ai teint, le banc que Pat m'a fait pour 15$. On est toujours bien content. Écoutez, ben c'est ça, là, je l'ai teint, fait que je vais vous montrer le résultat. Le voici, le voilà. Donc ça y donne un côté, je pense, plus rustique que sa couleur qu'il y avait avant. Qui était en fait comme ça, vous le voyez, parce qu'il y a des endroits que ça pogne pas. Puis ça, Pat m'avait bien averti, par contre, avec ce bois-là. C'est du pain, je pense, en tout cas du pain de quincaillerie. C'est pas cher, mais ça se teint très très mal. Genre le bois, il absorbe pas la couleur uniformément, comme vous voyez. Ça peut être cool, tu sais, il y a des endroits que ça fait beau, je trouve, ça fait justement assez rustique, là, comme j'aime. Mais il y a d'autres places que j'étais comme, hi, ok, peut-être je vais genre passer limite avec, tu sais, un peu de peinture, un petit pinceau, juste venir effleurer. D'après moi, ça va do the trick, parce que sinon, c'est ça, le produit, l'huile teintée qu'on a utilisée, ça buvait pas. Mais voilà, ouais, pour notre petit banc, je l'aime bien comme ça, je trouve. Ça fait vraiment comme un peu plus bois de grange que la couleur qu'il y avait avant, là, qui était vraiment comme blond. L'affaire, c'est que même si on trouvait ça beau, mettons aussi la couleur avant, ça le rajeunit, tu sais, avec le soleil. Donc, on pouvait pas le laisser nu. Donc, c'est ça. J'ai mis des petits accessoires, mais tu sais, je peux encore m'asseoir. Quand je mets mes bottes, comme je vous disais, je viens ici, puis c'est bien pratique. Puis, ben, c'est ça. J'ai mis un petit panier là, juste venir casser un peu parce que là, ça rajoute du bois. Je sais pas comment dire. Il y a beaucoup de bois ici, là. Vous savez, je tripe pas sur mes planchers orange. Fait que je trouvais que d'ajouter un demi-ton, ça venait fondre un peu tout ça, vu que j'ai des touches de bois clair aussi ailleurs. Tu sais, il y en a sur les pattes de chaise là. J'ai le foncé en fait qui ressemble vraiment. Tu sais, mon but c'était de me rapprocher de la table à manger ou de Lilo, mais il est un peu plus pâle si on compare. Fait que c'est ça. Puis ça, by the way, j'ai toujours pas trouvé mes tabourets de rêve. C'est sûr qu'on avait qui sont vraiment bon, la même couleur que le plancher. Puis quelqu'un m'avait dit, ah, mais enlève les dossiers, tu sais, vu que c'est ça qui m'énervait maintenant avec le nouvel Lilo. Vu que ça dépasse, puis que bon, c'est pas la même couleur. Quelqu'un m'avait dit, c'est ça, juste d'enlever ça. Puis j'étais comme, ah oui, bonne idée, sauf que c'est pas rond, c'est pas parfaitement rond. Fait que ça va être sûrement vraiment laid ici. Fait que peut-être je vais les changer éventuellement, mais tu sais, des meubles qu'on est sûr de garder longtemps, pour moi, c'est pas tant un problème. Puis si je pourrais les trouver seconde main, ben c'est encore mieux. Ouais, fait que c'est ça que ça donne pour le petit coin. Vous avez mon beau recyclage ici qu'il faut que je sorte. Mais ouais, je trouve ça vraiment le fun. C'est joli. Là, c'est sûr, l'été, je veux dire, là, les rideaux sont peut-être mal placés, puis tout, là, mais ouais.
Toi, qu'est-ce que t'en dis? Je vais vous laisser là-dessus, les amis. Je sais que là, ce vlog-là va être plus court, plus décousu et tout. Mais écoutez, il y en aura d'autres plus intéressants plus tard. Puis là, je sais, il faut pas que je dise ça. Vous êtes comment? Ah, mais non, on aime ça. Si on est là, c'est parce qu'on t'écoute puis tout. Mais là, c'est parce qu'en ce moment, j'ai comme une petite perte de confiance spontanée. Je sais pas si ça vous fait ça des fois, mais moi, oui. Fait que bref. Je vais m'en remettre. Je vais aller me calmer, méditer un petit peu. Puis après ça, filmer ma vidéo cet après-midi. Ça, c'est la face d'une fille fâchée parce qu'elle est pas dans son élément normal. Oh! Bref, encore une fois, merci d'avoir été là. Je vous souhaite de très joyeuses fêtes si jamais je peux poster ça avant qu'il soit trop tard. Puis ben voilà, j'espère que vous allez être encore là en 2021. Et puis ben sachez que je vous aime et que you matter to me a lot. So merci, merci encore. Gros bisous, bye!